temps qu'on m'a cassé. Comme les préparés, notre temps longtemps. Même si nous, la bien idée, pour rien n'y pas changé. Oh, bébé, 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 bébé. Je suis arrivé aux répétitions en retard. Oh,
Donc, vraiment merci. Vraiment merci. D'avoir commencé avec, à nous partager des recettes avec nous. Et savoir-faire. Oui, son savoir-faire surtout. Merci, Frisson. Et surtout qu'elle a sauvé beaucoup de ménages. Ça, il faut le noter. Parce qu'elle a appris à beaucoup de femmes ici à cuisiner. Elle a appris à beaucoup de gars ici. À parler des filles ici avec les groupes. Est-ce qu'elle va les placer loin par le voilà. Alors, je m'appelle Vanessa. Prénom Vanessa. Mais communément appelée sur les réseaux sociaux Vaninou. Voilà. Il y a seulement 5 ans, quand l'application Snapchat sur les réseaux venait d'être créée, et il y avait des comptes communautaires tels que, je me rappelle bien, Boa237, j'en oublie quelques d'autres. Je me suis dit, mais c'était des comptes où les gens prenaient le Snap pendant 24 heures et étaient en train de showcase le lifestyle pendant 24 heures, leur journée, leur quotidien. Donc je me suis dit, mais attends, pourquoi pas utiliser ce genre de canal pour pouvoir aider les jeunes filles, les jeunes mamans, les célibataires, même les hommes, hein, parce que les hommes cuisinent maintenant de nos jours. Pourquoi pas ne pas les aider avec un partage culinaire? Donc là, je me dis, ok, je vais créer ce compte Snapchat et je l'ai nommé Cuisine Caméra 237, qui aujourd'hui est Cuisine du Monde by Vaninou. Alors, petit à petit, ça fait un petit succès avec des guests qui passent sur les comptes et qui viennent partager des recettes culinaires avec la communauté. Donc, c'est comme ça que Cuisine du Monde by Vaninou se crée sur les réseaux sociaux, en fait. Et après 5 ans de partage des recettes sur les réseaux, comme je le dis bien dans mon spot, j'ai décidé maintenant de rencontrer, de venir à la rencontre de ceux qui me suivent derrière l'écran et aussi rencontrer de nouvelles personnes qui pourront me découvrir et découvrir ce que je fais et ce que je compte et souhaite offrir à la communauté africaine en général. Voilà. Donc voilà comment le concept Cuisine du Monde by Vaninou naît. Voilà. Il y a des personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, ils sont capables d'avoir déjà suivi Vaninou et on reproduit ce qu'elle a fait. Oui. Applaudis pour toi-même parce que non. T'es une diva. J'en suis flattée. Donc, Cuisine du Monde by Vaninou a une page YouTube, Cuisine du Monde by Vaninou, une page Facebook nouvellement créée, Cuisine du Monde by Vaninou également, et un compte Snapchat et Instagram. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, de pouvoir vous abonner. Je pense que vous avez suivi un peu ma petite vidéo de présentation qui est passée tout à l'heure. Petit pouce. On met un petit pouce. On active la cloche de notification pour recevoir de nouvelles recettes sur la page. Donc, alors, je crée l'assaisonnement et tout banalement, quand je le poste sur Snapchat, mais les gens, Vaninou, on veut la recette. Vaninou, comment tu as fait ça? Je dis, ah, voilà, tout ce que je vous donne déjà gratuit depuis, combien d'années, même ça, si vous voulez. Voilà, je donne la recette une fois, mais beaucoup n'ont pas remarqué, non, ils n'ont pas constaté. Tu sais, quand tu postes, vous savez, quand vous postez sur Snapchat, 24 heures après, il s'efface. Bon, ce qui fait que ceux qui n'avaient pas vu et qui entendent l'écho de « Ah, il y avait un assaisonnement quelconque sur la page de Cuisine du Monde by Vaninou », ils se disent « Mais attends, Vaninou, nous on est le Tanaté, pour nous donner la recette aussi. » J'ai dit « Ah, ça là maintenant, là, on va tourner ça à bombe amélique. » Le mot bamiliké m'a étonné. En bonne fille du nez, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas faire cet assaisonnement en ce jour et vous le mettre à votre disposition. Donc voilà la raison pour laquelle il y en a quelques pots, c'est pas beaucoup.
je l'ai fait moi-même, hier nuit, voilà. Elle n'a pas dormi, hein. Je suis témoin. Vous pourriez passer où les épices sont présentées et vous pouvez vous en procurer. Et après, me donner vos avis sur mes différents réseaux, que ce soit Snapchat, que ce soit ce que mon WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, voilà, que ce soit même dans la vie réelle. Donc, voilà un peu le hic derrière l'assaisonnement en question. Je notais à rappeler que sur le compte Cuisine Camer, d'ailleurs, on vous attend, monsieur Koloko Camer. On a remarqué qu'il était dans la salle. Vous le connaissez, non? Oui. Il a, c'est le gars qui danse souvent avec le cabalage. Ok, je passe à la question avant de partir. On applaudit pour Koloko Camer. Comme je disais, donc c'est pour vous dire, n'hésitez pas. Et Rida Vani, elle est accessible, elle répond à tout le monde. J'ai vu que Paris, j'étais plus suivie à Paris. Et après Paris, c'était le Cameroun. Et après le Cameroun, c'était ma ville. Donc je me suis dit, pourquoi pas donner cet honneur aux Parisiens de pouvoir organiser ce Meet and Eat pour la première édition, parce qu'il y en aura d'autres dans d'autres pays. C'est juste ça, c'est juste, voilà, faire honneur aux Parisiens qui me suivent chaque jour. Sur les réseaux sociaux. Madinou, je pense que c'est important d'indiquer aux gens, aux personnes, quand est-ce que se passe la chose la plus importante dans nos vies, c'est-à-dire le déclic. À quel moment est-ce qu'on décide de se lancer, de se jeter à l'eau? Parce qu'il y a certainement des jeunes dames ici qui excellent dans d'autres domaines, des jeunes hommes aussi. À quel moment est-ce qu'on se dit « il faut que j'y aille, il faut que je le fasse » Merci beaucoup pour cette question. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient bien connaître un tout petit peu mon histoire. Déjà, quand j'ai décidé de créer la page sur Snapchat, ça a été un challenge. Je me suis dit, vous savez, approcher les gens pour leur demander « est-ce que vous souhaiterez partager une recette de votre répertoire culinaire avec des internautes sur Snapchat. C'est un peu, tout le monde est un peu ah, on va faire comment là-bas? On pose la question. Les abonnés, est-ce qu'ils sont gentils? Toute une panoplie de questions. Et non seulement ça, le timetable. Il y a des gens. Tu les approches, ils sont tellement occupés, ils sont tellement busy qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir cuisiner et filmer en même temps. Parce qu'il faut le dire, cuisiner et filmer en même temps, c'est tout un travail, c'est tout un boulot. Quand vous le voyez derrière les écrans, vous pensez que c'est tellement facile, mais nous sommes, je pense que la majeure d'entre nous en cuisine, que tu es en train de couper les oignons et tu es en train de filmer, ah je suis en train de couper les oignons. Tu poses le téléphone, tu coupes le high, tu dis « Ah, je suis en train de couper l'high », ainsi de suite. C'est tout un boulot, vraiment. Donc, je me dis, je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer à parler aux gens de ce concept que j'ai créé. Et malgré les difficultés, je vais continuer à pousser et à avancer. Si on me disait il y a 5 ans de cela que j'allais être assise ici aujourd'hui, j'allais dire non. J'allais dire, mais attendez, vous rêvez, hein? Moi là, ah, moi c'est derrière la raison. Et figurez-vous que pendant à peu près 3 ans, on ne savait pas qui était derrière Cuisine. C'était, avant, à l'époque, c'était Cuisine Camer 237. On ne savait pas qui détenait la page. Parce que j'avais décidé de garder l'anonymat. Pourquoi? Parce que quand tu t'exposes déjà, il y a tellement de choses qui viennent en contrepartie, voilà. Le déclic qui vient, le petit truc qui se passe pour qu'on connaisse qui je suis, c'est quand j'ai eu une guest star, je ne prononce son nom, notamment pour Emilia, qui est passée sur le compte et qui a eu un petit désagrément avec une abonnée. L'abonnée s'est fait passer pour moi l'admin et elle ne pouvait pas savoir. Vu que la personne vient se présenter, ah moi je fais partie des admins du compte, vous avez fait ci, vous avez fait ça, je vais pas faire ça, et puis commencer à mal parler.
Et puis c'est là, je savais pas. C'est, on m'appelle, c'est là, ça fait du buzz. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, Manu, il y a quelque chose qui se passe sur le compte de cuisine. Je dis, mais attends, mais quoi? Quoi? Et je viens, je vois, et puis je dis, oh, quelle merde. Comment je rattrape ceci? C'est là, je prends mon téléphone, j'étais couché sur mon lit, je mets la caméra, no make-up, no wig, no perruque. Et je mets un filtre, j'ai un filtre préféré là, avec la large bouche là. Quand je mets ça, les gens commencent à rigoler. Et je dis, et j'étais fâchée. Et je dis, mais non, la seule et unique admin de ce compte, c'est bien moi. C'est pas du bien moi. C'est comme ça que la visibilité commence à s'accroître. Et ainsi de suite, je continue à pousser. Et puis je me dis, un jour, quand j'ai pris le vaccin Covid, quand j'ai pris le vaccin Covid, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient d'aller nous, est-ce que tu peux créer ta chaîne YouTube? Parce que sur Snapchat, c'est 24 heures après, ça s'efface. On veut quelque chose de permanent. Je me dis, YouTube, c'est trop de boulot. C'est vraiment trop de boulot. La caméra, tout le logistique derrière, c'est trop de boulot. Quand je prends le vaccin Covid, ça m'avait beaucoup affecté. C'est mon père. J'étais aux toilettes le jour-là, je l'ai oublié. C'est mon père qui me dit, mademoiselle, crée ta chaîne YouTube et tu m'envoies le lien dans 24 heures. Je dis, ouh. Sachant que mon père n'est pas très réseau. Il n'aime pas trop les trucs de Starmania, la popularité, la visibilité. Et puis je me dis, attends un peu, qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire que si mon père il croit en moi, combien de fois les inconnus, combien de fois les gens qui me regardent, qui ne me connaissent pas, pourquoi pas ne pas me lancer? Et c'est là que je me dis, quand je crée la chaîne YouTube, je me dis, bon, je vais organiser un petit événement où je vais aller à la rencontre de tout le monde, ceux qui me suivent, même ceux qui ne me suivent pas, ceux qui pourront me découvrir. Je crée Meet and Eat with Vanilou. Je n'ai pas dit Meet and Greet, parce que quand on dit Meet and Greet, c'est les stars. On vient, on rencontre les stars. Mais moi, je suis dans le domaine de la nyama, le management. Donc, je me dis, pourquoi pas enlever ce grit et dire eat? Donc, on vient et on mange avec Valinou et ses guests. Ses guests, notamment, il y a le couple Frisson, Roby Bombastic, Wes Faconté, Happy Day Fulan, Coloco Camel Live, Jackie King and the Boys, Mama Perpé Compressor, Dorky Event et autant d'autres. Chose qui n'a pas été facile, j'ai traversé beaucoup, quand je dis beaucoup, j'ai traversé beaucoup de situations qui m'ont fait, j'ai voulu annuler ce meet and eat. Il y a tellement de choses qui se sont passées, je me suis dit waouh, pour un petit événement que je veux organiser comme ça, c'est juste un tout petit truc. C'est pas grand chose, c'est juste un tout petit truc où on va à la rencontre des guests, des followers, de ceux qui suivent Valinou sur le réseau. Pour ce tout petit événement, vous allez. Oh, c'est tellement dur. Raison pour laquelle, si je suis assise ici aujourd'hui à Paris et que cet événement a eu lieu, j'aimerais beaucoup, beaucoup encourager tous ceux et celles qui sont ici, dans cette salle, qui ont des projets, que ce soit des projets enfants, enfantins, je ne sais pas comment dire en français, minime. Des baby projects, comment minime. Dire en anglais. Oui. Minime. Voilà, des projets, voilà. Voilà. De ne pas baisser les bras. Croyez en vous d'abord. Croyez en vous. Contente, je suis heureuse parce que c'est un honneur que vous m'avez fait aujourd'hui de respecter cet engagement parce que je connais un peu la culture des Parisiens. Ils aiment aller dans les soirées, dans la nuit. Pour qu'un Parisien sorte dans la journée, c'est très difficile pour aller à un événement. Si c'est pas un mariage, si c'est pas une tontine. Voilà, donc le fait que vous soyez là aujourd'hui, vraiment, je vous dis merci du fond de mon cœur. Et j'espère que cette belle aventure pourra continuer et que vous ne serez pas déçus
des futurs projets que j'ai en place, que je suis en train de travailler dessus, que vous découvrirez. Pendant la réponse de Vanimou, on a... Un samedi comme ça, je vois de très belles femmes, pas trop du chic, et de savoir que nous sommes toutes belles, bravo. Alors, s'il vous plaît. Donc, ma question était, ici à Paris, étant donné que les ongles et tout ça, c'est très bien. Moi, je regarde souvent, je crois que je connais ceux qui sont posés des questions. Mais ici, le frais, c'est souvent compliqué. Est-ce que tu penses que tu pourras nous faire des épices en poudre? Spécialement. Pour que vous puissiez goûter, parce que c'est un assaisonnement, on va dire, tout usage. On peut l'utiliser pour assaisonner le poisson, la viande, le brochet, le poulet, peu importe. On peut le mettre même dans une sauce. Tu peux prendre une ou deux cuillères, tu le mets dans la sauce et puis ça essaie de relever le goût de ta sauce. Ou je sais pas, n'importe quoi. C'est toutes les cultures, hein. Donc alors, voilà, comme je disais tantôt, ce pot, c'est juste pour cet événement. Tout à l'heure, il y aura un pot d'épices secs que nous mettrons en vente aux enchères. Donc préparez le porte-monnaie, on ne peut pas l'échec, pourquoi ça va les espèces. L'épice que je vais créer dans le futur, très proche. Donc, c'est également l'opportunité pour vous également de pouvoir goûter à ce mélange d'épices que j'ai fait moi-même. Je l'ai composé moi-même, les épices secs. On peut l'utiliser pour tout type d'assaisonnement. Que ce soit porc, poulet, poisson, gambasse ou quoi que ce soit. Donc, tout à l'heure, tu seras mise en vente aux enchères et je compte sur vous pour pouvoir participer à la vente aux enchères. Et le plus offrant sera le gagnant. Avec tous les stars qu'il y a ici. Alors, on passe à la prochaine question. J'aimerais savoir, en fait, à part la cuisine, est-ce que tu as une activité professionnelle à côté? Parce que tout le temps que tu passes sur les réseaux, à travers la cuisine et tout, est-ce que tu fais autre chose à côté? Alors, à part la cuisine, Valino est diplômé d'elle. C'est que justement, pour précision, j'ai un master en business and financial management. Master en business et management financier. Et en dessus, je fais une formation ACA, on appelle ACA, SCCA, pour être chatat expert. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Beaucoup, Vanino, félicitations. Merci. Alors, parlons de Marie. J'aimerais savoir. Parlons de Marie. Alors, comment se comporte un mari face à une femme qui sait aussi bien cuisiner? Parce que nous, on est quand même curieux de savoir. Bon, moi, perso, je suis quelqu'un qui n'aime pas. Si mon chéri n'est pas là, je suis quelqu'un, je ne vais jamais cuisiner. Mais j'aimerais bien savoir si mon mari, en fait, est-ce que ça peut titiller, enfin, est-ce que mon mari sera amené à ne plus vouloir trop sortir?
si, si vraiment je m'y mets à fond. Moi, j'aime ça. Très pertinente, mais sauf qu'elle n'est pas encore mariée, donc elle ne saura pas quoi te dire. Si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que un mari ou un chéri pourra rester sur une femme? Ah, le mien! Ah, comment le mien se comporte? Il le tient, il est où? Donc vous faites quitter de Snapchat à la réalité. Il est où, monsieur? Je pensais échapper la question. Là, les... On est à Paris, hein? Bon, en réalité, est-ce qu'il y a... Donc, bah, nous, tiens, tu apprendre alors. Ah oui, je vais apprendre. Et fais quoi, t'es bien, il y a des gars qui m'ont dit, c'est riche. J'espère qu'il y a des gars qui m'ont dit, c'est riche. Donc, si je veux l'argent, là, donc je le travaille moi-même et puis je l'ai. Ma guest Ruby, j'espère avoir répondu à ta question. Non. Non, vas-y, je suis là aujourd'hui. On rephrase. Attends, Ruby est trop calme. Laisse le pose comme une vraie parisienne. Je tiens, maman. Bon. Quand on a déjà une belle femme comme toi, tête bien faite, pleine, en plus de ça, tu cuisines bien. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'un homme soit fidèle, respectueux, anyway, qui reste à la maison. Elle a envie d'aller voir ailleurs. Ok. Honnêtement, peut-être ma question va choquer certains, mais ma réponse est non. Ma réponse est non. Tu peux avoir beau cuisiner des plats, si cet homme-là ne veut pas rester avec toi, ah ben, bye bye. Il va rester avec toi seulement pour manger. C'est tout. Si tu cuisines bien là. Ah, chaque fois qu'il est... Ah, chérie, tu apprendrais quoi aujourd'hui? Dresse la table, j'arrive. C'est tout. Après ça, il est parti. Donc, la nourriture, comme on dit chez nous, comment je dis au Cameroun, le ventre. Le ventre. Le ventre ne retient pas l'homme. En tout cas, moi, je suis dans le domaine culinaire. Le ventre. Le reste. Les stars, les stars, à travers les réseaux sociaux, on nous fait dire qu'on est tout assis. Tout le monde a un peu de notoriété. Elles vont faire accès à certaines opportunités, à ce partenariat, etc. Et ma question, c'est de savoir. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi au travers de ce que tu fais, culinairement parlant, et quelle est ton activité à côté? C'est facile à conjuguer. Quelles sont vraiment tes difficultés au quotidien? Et comment tu fais pour y arriver? Merci déjà, merci. Les difficultés quotidiennes, j'en ai tellement. Entre finir cette formation pour pouvoir ouvrir son cabinet comptable dans quelques années. Entre la cuisine, la page Snapchat, le compte Snapchat qu'il faut entretenir, H24. Entre les vidéos YouTube qu'il faut filmer et poster. Les monter. Merci. Les monter. Parce que le montage, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et je l'ai fait seule. Je n'ai aucune aide. Je l'ai fait seul. Donc entre tous ces activités là et d'autres personnels, je dirais que je me motive moi-même. Je me dis ok, j'ai des objectifs à atteindre. Si j'ai des objectifs à atteindre, il faut que je mette des moyens pour pouvoir les accomplir. Voilà. Donc, peu importe les challenges, bien les difficultés que je rencontrais quotidiennement, je pousse. On pousse.
En plus. Entre chercher les stars, les influenceurs, qui vont, ou bien les entreprises, les entrepreneurs, ceux qui ont des petites activités ou machin et tout, pour des partenariats, c'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui également, c'est un jour de rencontre. Il peut y avoir une ou deux personnes ici qui a un business qui est florissant et qui a besoin de visibilité, d'une certaine visibilité. Derrière les réseaux, derrière l'écran, tu ne peux pas avoir accès facilement à ces influenceurs. Il y en a où tu écris, on ne te répond pas, on te laisse en vue. Donc, pourquoi pas profiter de ce jour pour pouvoir échanger et se créer des contacts pour que ceux qui ont des entreprises puissent prospérer dans leur activité. On a notre marque Flore de Lille ici. Je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir accès à Marco. Voilà, au jour d'aujourd'hui, elle est assise ici avec nous. Donc, ce sera l'occasion pour nous de pouvoir parler avec elle. Ça, c'est un exemple. Parler avec elle, face to face. C'est parce que ça a eu du succès sur ses réseaux et elle a décidé d'en faire pour que tout le monde puisse en avoir, voilà, au prix de 10 euros une boîte en rentrant chez eux ce soir. Donc c'est accessible pour tout le monde. Mais ça là, ça, vous voulez que vous ne soyez pas la vie des dames? Non. Voilà ça, Sam, 110 euros. 147 pour monsieur 10 ans. 107. Là, 10 euros, c'est pour toi. Non, pas 10, c'est 20. 200 euros, une fois pour West Baranté. C'est toi qui dis quand c'est deux fois. C'est moi qui ai dit. Tu parles à ma place pour toi. 200 euros, une fois pour West Baranté. Apportez-moi une poche blanche avec le logo de Vanille dessus. Parce que la personne qui repart avec ça. 200 euros, deux fois pour West Baranté. Donc vous essayez que vous les faites la petite femme la partie avec le gros. La maison là, voilà, j'en ai pas. La poche blanche. Maman, donne d'avoir les comptes. Non, c'est bon. Avant qu'il donne ça. C'était même plus. Le rubis. Rubis bombastique. Je dois faire comment? Arrêtez maintenant, vous devez mettre dans mes poches ou bien comment? Venez, moi, je vais commencer par là. Applaudissez pour les dames qui vont ouvrir leur petit sac. On attend le retour. Hein. Voilà. Non, il y a la poche qui va avec. Les médias, mon grand. La télé est là, hein, la télé est là. Les médias. C'est solennel, hein? Faut sortir le pot. J'ai mal au pied. Non. Depuis. Ça va être les téléphones Android et appuyer sur Snapchat et pour Chaque jour vous savez, je vais profiter. Hein. Vous savez, moi, je suis West Baranté, mais j'ai été connue par quelqu'un ici qui est présent dans la salle à qui je vais remettre ça. Je remercie beaucoup Flore de Lille. Parce que
sais que ton concept, les Parisiens vont essayer de le copier, hein, parce que c'est la première fois. Nous avons l'habitude d'arriver dans les soirées la nuit. Pour une première, tu as fait fort. Félicitations à toi. Et sache qu'on sera toujours là pour toi, pour te soutenir, parce que tu nous as montré qu'on peut célébrer la cuisine autrement. Bonne chance à toi, bon grand. Et ce soir, tu nous as encore prouvé qu'être derrière la cuisine, en fait, tu nous as montré qu'on peut être intellectuel et savoir cuisiner. Merci à toi. Et reste comme tu es, souriante, humble. J'ai eu la chance d'être avec toi hier et je t'apprécie énormément. Merci à mes soeurs qui sont là. Et je salue le vlogueur qu'on s'est vu au Canada la semaine dernière. Le week-end. C'est toi ou pas? Ah ouais, tu es rentré. Oh, on a passé une super soirée à Montréal le week-end. Merci à tous ceux qui sont là. Bravo à toi, Marie-Louise, c'est magnifique. Merci à Compressor qui est là, GPS, à tout Paris. Merci infiniment. Je te cite pas, tu es ma pauvre. Ça, c'est passé comment vous faire le lit. Elle a dépassé beaucoup de stars. Hein. Moi, je connais ma fofo, elle est dans la même langue, pas la même taille. J'aimerais dire un grand merci à Jackie Kimé qui est là ce soir devant nous. Il a perdu sa maman très récemment. Et j'aimerais bien. Là où elle est, là où elle se trouve, je lui souhaite un doux repos éternel et beaucoup de courage à toi. Et merci de m'avoir honoré en ce jour, malgré toute la peine, la difficulté, la douleur que tu traverses en ce moment. Je dis vraiment grand merci. Grand merci, maman. Merci d'avoir. Ouais, salut tout le monde. Ça va bien. Ça va bien. C'est la guerre. Donc, voilà, moi, chanter le patron. Je chante le bruit. Voilà donc un petit man, un petit défoulant qu'on appelle Apio. Apio! Ah, on a deux ans! Je suis en train de partir une princesse qui faisait quelque chose, mais. Déjà. Ah. Voilà! J'ai cherché la plus belle chanson dans la vie de France, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Et en musique, c'est la musique. Là, ça devient tourbi. Je prends le temps avec elle dans ma vie. Je cherche les filles qui vendent de les piments. Moi, je ne suis pas. Voilà, ça, c'est la vérité. La joie du bonheur, on va mourir, 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 on va m
souvent c'est là. Tu es pas la joie du bonnet. C'est la joie du bonnet. Avec mon répondant, on va donc prier. Tu vois ça? La joie du bonnet. Avec mon répondant, on va donc prier. Oh, la joie du bonnet. Les loups pour le cuisse. Vraiment, pour une première à Paris, félicitations à notre petite sœur, ma fille Vanino, qui est partie de Londres pour organiser cet événement à Paris. Elle a pris le pouvoir dans la place parisienne. Merci d'avoir montré et prouvé au monde entier que on peut déguster les plats africains autrement. Alors, je suis très, très heureuse. Hein. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que Vanino, félicitations. Pour une première, franchement, c'est réussi. Et on t'encourage pour que prochainement, tu fais plus que ça. Là, c'est une première fois. On va dire que c'était une réussite quand même. Alors, c'était très beau. Et bravo qu'une jeune fille se concentre pour faire le culinaire, nous faire les repas. C'est rare de voir des jeunes filles se concentrer dans les repas, faire à manger. C'est une première. Et puis, mes félicitations, ma fille, va de l'avant. Et puis, nous sommes avec toi, on va t'encourager. Mon regard, mon ressenti, c'est tout est positif. Je pense que Vanino mérite beaucoup d'encouragement. Partie de là où elle est partie pour venir exposer son projet ici à Paris, c'est quelque chose de respectable. C'est comme l'histoire même de l'existence, quoi. Donc, moi, je ne peux que lui tirer un coup de chapeau. Il lui dit bravo, bravo, qu'elle continue, qu'elle ne baisse pas les bras. Ça va être difficile, mais je sais qu'elle va y arriver parce qu'elle a du potentiel, elle a la foi. Beaucoup de courage à toi. On t'aime très fort. Salut. The Voice, Tobo, Tobo. Moi, perso, ça m'inspire beaucoup, étant une femme et amenée à être femme au foyer. Donc, c'est important pour moi de venir encourager une jeune sœur qui se lance dans le culinaire et d'apprendre plein de choses, et notamment des épices dont elle a parlé et dont j'ai hâte d'essayer. Et voilà, on lui souhaite tout le courage, tout le bonheur et succès. Voilà. Déjà, je suis touchée parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle. Ça veut dire que les Camerounais aiment déjà la cuisine. Et moi, déjà, ça me donne beaucoup plus encore envie de cuisiner. Et je remercie beaucoup Vanino d'avoir passé à Paris de nous avoir donné cette envie de toujours et de vouloir aimer la cuisine camerounaise. Oh, vraiment, les gens sont radieux, simples, vraiment souriants. Un événement, je recommande. Et Vanino, on t'attend encore sur Paris. Thank you.
Alors Vaninou, je suis venu pour t'encourager. Voilà, la fête était belle, voilà. Tu nous as bien reçus et félicitations. Oui, je me présente d'abord. Je suis Mère Bijou de l'Éternel, la reine Mère Bamena. Je vis à Bruxelles. Donc j'ai fait le déplacement parce que je ne suis pas trop pour la cuisine, mais j'ai décidé de m'investir un peu dans le sens culinaire parce que je voudrais vraiment, d'après les vidéos de Vaninou, j'apprécie cette dame. C'est une dame avec beaucoup de valeurs, avec une tête pleine, mais qui montre aussi que la cuisine peut être comme un hobby, comme de l'art. Alors pour ça, je me dis pourquoi est-ce que je ne peux pas venir voir et la voir en direct et écouter ses conseils. Mais j'ai été très, très, très ravie. Je vous jure, je suis venue uniquement pour elle. Et alors accompagnée et par aussi la motivation de West Banganté, parce que c'est elle qui m'a donné le lien et puis c'est comme ça que j'ai pu m'inscrire. Donc West Banganté, je lui dis d'abord merci. Comme elle aime bien qu'on l'appelle maman, merci beaucoup à maman West Banganté. Et pour tout, parce que celle-là, c'est une femme aussi qui a un grand cœur. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors, j'ai fait, et merci aussi à vous, parce que vraiment, votre charisme, votre façon aussi de parler avec les gens. Je ne vous connais pas particulièrement, mais c'est tout à l'heure qu'on m'a dit que c'est vous le grand journaliste. Il est SOPI, c'est ça? Et puis, le parcours pour venir soutenir la danseuse. Étant donné que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, bien évidemment, étant donné que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je crois que je suis Vaninou depuis deux ans et demi. Hein. Ouais, sur Snapchat. Et chaque fois, j'essaie de refaire ses recettes. Et voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Vraiment. C'est un plaisir pour moi d'être là. Franchement, c'est super. Je suis très contente de rencontrer. En plus, il y a plein de monde, d'échanger avec plein de monde. Franchement, courage, Vaninou, à toi. Et merci beaucoup pour tout. Bonsoir Vaninou, moi c'est Nina. Écoute, j'ai accepté de participer à ce brunch uniquement pour te soutenir. Je pense que c'est important. La communauté camerounaise doit se soutenir, ok? Donc les diffamations, les calomnies, on doit arrêter, on doit se soutenir. Moi je te soutiens à 100%, quelle que soit la direction que tu prendras. Voilà. Donc à partir d'un certain moment, on doit apprendre à soutenir nos sœurs pour évoluer dans les business, en fait. Moi, je pense que c'est très important. Donc, voilà. Bon courage à toi et je te fais de gros bisous. Moi, c'est Nina. On aura le plaisir et l'occasion de communiquer sur Snapchat. Allez, gros bisous. Bye bye, merci. Alors, je lui souhaite beaucoup de succès dans ce qu'elle a commencé, qui est vraiment louable et admirable, voilà, de pouvoir réunir la communauté comme ça. Je souhaite beaucoup de succès. Et petit pouce, Claudie, on était à la déco et c'est nous. Coucou Vaninou, moi j'ai commencé à te suivre dès les débuts de Cuisine by Vaninou, vraiment pour dire que ton concept c'est un très beau concept et vraiment continue comme ça, c'était un succès plein et vraiment beaucoup d'encouragement et je te fais des gros bisous. Très ravie, merci Vaninou, franchement pour moi c'est une grande, j'ai pas de mots, voilà. Je suis ravie de te voir en vrai. C'est vrai que tu snap et tout ça, c'est pas évident. Mais vraiment, merci de nous avoir honorés ici à Paris. Merci beaucoup. Franchement, c'est génialissime. Merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, une grande première pour Paris, une grande première pour la cuisine camerounaise et en général pour la cuisine du monde. Donc, merci à Vaninou pour l'invitation. Merci à Vaninou pour ce meet and eat. On lui souhaite bon vent. Qu'elle continue comme ça et qu'elle encourage en fait les jeunes femmes à entreprendre et à être comme elle. Allez, merci, bisous. Oui, en fait, toutes les personnes qui décident d'entreprendre, toutes les personnes qui décident en fait de mettre leur savoir-faire à destination des autres personnes sont un exemple à suivre. Et il faut juste en fait adapter ses compétences, adapter ses valeurs, adapter son savoir-faire et trouver son domaine de compétences. Donc effectivement, c'est un exemple pour la jeunesse et pour toutes les femmes du monde. Je vous en prie, c'est moi. La singularité, Hilaire. La singularité, la différence fait la référence.
et il n'y a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Je pense qu'aujourd'hui, Paris a été subjugué, Paris a été étonné, Paris a été surpris. Il faut des éléments comme celui-là. Il faut des personnes comme celle-là pour amener une sorte de vague de nouveauté. Et je pense que tout à l'heure, Fleur de Lille le disait, le clamait haut et fort. Le pas va lui être emboîté, beaucoup de personnes vont l'imiter parce que véritablement, cet événement est exceptionnel. Vaninou est d'abord à titre personnel quelqu'un qui nous apprécie, qui nous a approchés en nous disant « Mais vraiment, j'aimerais que vous jetiez un petit coup d'œil à ce que je fais. » Et ce qu'elle fait est inédit. Alors c'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas ne pas accompagner. Et à titre personnel, et bien entendu, au nom de Tap Tap Sense. C'était très bien. Voilà, Vaninou, c'est une grande sœur à moi et je suis très contente d'avoir participé. Voilà, côté staff et côté organisation, tout était bien. Tout était bien fait. Merci. Bah, je dirais que franchement, c'était chic, c'était du glamour. J'ai aimé parce que le concept, il est vraiment rare. Il est nouveau et c'est innovateur. Du coup, il faut encourager la culture. Et je dis déjà félicitations à Vaninou, félicitations d'avoir débuté à Paris. Et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour la suite. Hein. Bisous Vaninou. Moi, je suis timide. Alors, je voulais souhaiter beaucoup de courage à Vaninou, qu'elle ne baisse pas les bras et qu'à partir de cet événement, qu'elle fasse de plus en plus de façon grandiose. Et nous serons toujours là pour l'accompagner. Ah, franchement, je suis très contente d'être là et en même temps surprise, je ne m'attendais pas à un aussi bel événement. Je lui souhaite beaucoup de courage et on espère qu'on aura des événements pareils à l'avenir. Et vraiment, gros bisous à elle et vraiment, événement réussi. D'accord. Okay. Bonsoir, moi c'est Marie-Thérèse. Je regarde la caméra. D'accord. Bonsoir, moi c'est Marie-Thérèse, la pâtisserie de Lille Mamie sur Instagram. Alors, Vaninou, je te remercie pour cette initiative que tu as prise pour mettre à l'honneur la cuisine culinaire, pour la cuisine camerounaise. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter ce que je sais faire, notamment la pâtisserie. J'espère vraiment que le bon Dieu te comblera de bénédictions et te permettra de continuer cette aventure pendant les décennies à venir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, bonjour, moi c'est la Baby Fête, la cofondatrice de la marque Focus. Je suis très contente d'être là. Ça me fait énormément plaisir. Il faut soutenir la génération nouvelle. Donc Vaninou va de l'avant et surtout ne change pas. Plein de belles choses à toi et que Dieu te bénisse. Franchement, c'était cool, c'était bien. Il y a eu assez à manger, il y en a encore. C'est seulement parce que je continuais ailleurs. Sinon, j'allais emballer. Mais la nourriture, elle était bonne. Elle n'était pas fade. Et c'était bien épicé comme il fallait. C'était bien salé. Le buffet sucré, il était très bon. Le buffet salé aussi, très très bon. Franchement, s'il y a une deuxième fois, je vais assister encore. Et je suis vraiment marquée parce que en fait, j'ai suivi parler de l'événement. Quand j'avais invité mes amis à manger à la maison, ils m'ont dit que Vaninou fait un truc comme ça. Et ce n'est qu'à la dernière minute que je me suis, décidée à venir. Et franchement, je suis bien, j'ai été bien impressionnée et franchement, j'aime bien. Mesdames et messieurs, je vous prie de nous rejoindre. Alors, tout d'abord, je remercie Vaninou de m'avoir convié à son événement.
parce que c'est une très belle rencontre pour moi et étant également parallèlement dans ce domaine culinaire que j'apprécie particulièrement, ben, ce fut un plaisir entre guillemets de me joindre à elle pour ce meet and eat, pour recevoir toutes ces belles convives, tout ce beau monde qu'on a eu à avoir aujourd'hui. Et je suis tout simplement honorée, c'est un super bon moment, il fait beau et l'ambiance elle est agréable. On a bien mangé, on boit du bon champagne, il fait chaud, ça fait du bien. Bon, en tous les cas, mais sincères félicitations à elle et bon vent pour la suite. Merci beaucoup. On peut aimer quelqu'un fort comme ça. Adam, on peut faire ça. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux rien à dire, magnifique, somptueux, époustouflant. Comme d'habitude, Vanino, elle a mis le paquet. C'est vrai, on l'a encouragé, on l'a épaulé dans cette aventure. Mais j'avoue que c'est une femme à féliciter. Un meet and eat comme ça, culinaire, du jamais vu sur Paris, c'est la première fois. Encore pour une dame qui part de Londres, une Camerounaise qui part de Londres, qui vient nous imposer chez nous en France un concept comme ça. Franchement, c'est bravo Vanino. Et nous lui souhaitons encore de belles choses à l'avenir dans tous ses projets. Et bien sûr, j'espère que tu me feras participer à tous tes projets futurs. Parce que, comme on dit, il faut saisir les bonnes opportunités au bon moment et aux bons endroits. Big up à Vanino.